Et mes amis, on se retrouve cette fois pour le test de Team Sonic Racing, un jeu que j'ai vraiment apprécié et j'avais envie de vous délivrer ce test, jeu que j'avais sélectionné pour vous faire un test et croyez-moi, j'ai remarqué que le jeu était un petit peu bâché de temps en temps, il a vraiment de bonnes surprises à vous proposer, surtout, ça c'est le point fort du jeu, avant de mettre le jeu dans votre console. Il y a un point fort selon moi, c'est qu'il est proposé pratiquement partout à 27-28 euros. Et honnêtement, c'est vraiment super sympa d'avoir proposé ce jeu à ce prix-là, à la sortie. 27-28 euros, c'est quand même pas cher du tout. Surtout que le jeu a beaucoup de choses à vous proposer. Alors, Team Sonic Racing, il fait suite un petit peu à Sonic Sega All-Star Racing de l'ère 360 PS3. Qui avait finalement bien fonctionné, mais lui reprenait, comme son nom l'indique, All-Star, pas uniquement les persos de Sonic, mais tous les personnages de Sega dans un jeu de course. Alors ici, c'est la particularité, et on va directement illustrer l'unique point faible du jeu pour moi, qui est le roster du jeu, qui est limité à 15 personnages uniquement issus de l'univers Sonic. Alors, qu'ils soient uniquement issus de l'univers Sonic, n'est pas un problème en soi, ça je trouve ça même sympa, ça permet de recentrer un peu les choses. Par contre, qu'il n'y ait que 15 persos dans un jeu style Mario Kart, c'est quand même un peu dommage. Donc le jeu est divisé en 3 équipes de 5, on aurait aimé avoir peut-être pas le double, mais au moins 20-25 personnages, ça aurait été tellement plus sympa, avoir 5 équipes, ça aurait été tellement... 5x5, ça aurait été tellement plus sympa, mais ce n'est pas le cas, le jeu démarre avec 15 personnages. Alors, est-ce qu'il y aura des ajouts? On pourrait le penser. Est-ce qu'il y aura une version plus comme il l'avait fait avec Transformette de Sonic Sega All-Star Racing? Pourquoi pas? Mais bon, tenez toujours bien en tête que le jeu est proposé à 27 euros et que finalement, la variation gameplay se fait pas forcément uniquement au niveau des personnages. Donc ça, on va en revenir par après. Alors, la grosse particularité de ce Mario Kart-like, c'est que finalement, il se démarque vraiment de Mario Kart. Donc ils ont vraiment voulu faire dans l'original. Chaque course va se gérer avec 3 personnages. Donc par exemple, vous prenez la team Sonic, Sonic, Tails et Knuckles, qui est la Sonic, la Team Speed, bien sûr. Vous avez des Team Speed, Team Technique, qui ne sont pas influencés par les environnements, etc. Enfin, vous avez plein de spécificités par les équipes. Et la particularité de gameplay, c'est que il vous suffira pas d'être premier avec votre personnage pour gagner forcément, pour avoir les meilleurs points de la course ou des compétitions. Parce que les résultats de vos collègues influenceront aussi les résultats. Donc, idéalement, c'est d'avoir les 3 premières places occupées. Ça, ce ne sera pas toujours évident de le faire. Par contre, le jeu vous met à disposition plusieurs choses qui vont vous permettre de jouer stratégiquement pendant la course et pas seulement de gérer votre pilotage personnel. Et ça, je trouve ça quand même super intéressant. Alors, on a 4 possibilités. On a le super turbo que l'on peut charger. C'est l'espèce de gros bonus que l'on peut charger en équipe, qui se charge en faisant des drifts, etc. Et le super turbo peut être déclenché lors de la course. Ça, c'est assez classique, vous allez me dire. À part qu'il est orienté sur 3 personnages et non plus sur un seul. On peut s'échanger les objets stockés. Quand on voit un collègue qui est en difficulté, on peut lui filer un objet qui inflige soit du bonus ou du malus aux adversaires. Donc ça peut être très sympa. On a le turbo race qui permet d'accélérer les compatriotes lorsque l'on les frôle, on les double, on les frôle, on leur donne un petit coup d'aspiration comme ça, et ils sont pris dans notre aspiration et ils vont réaccélérer avec vous. C'est quand même très sympa. Et le truc que l'on voit le plus souvent, la quatrième possibilité d'augmenter le niveau de votre équipe, c'est la fameuse traînée jaune que le leader projette et qui permet un peu comme si vous rouliez en convoi sur l'autoroute, qui permet un peu de ramener vos adversaires, vos collègues, dans le bon placement de la course. Et ça, c'est quand même assez sympa. Donc, ces 4 variations de gameplay, pour moi, apportent vraiment quelque chose de frais,
dans ce type de jeu qu'on n'avait encore jamais vu auparavant. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Alors, vous vous doutez bien que si vous avez des amis pour jouer avec ce type de gameplay, ben, le jeu va carrément décupler en plaisir si vous jouez qu'en solo, bien évidemment. Mais en solo, le jeu propose vraiment de belles choses. Un peu comme dans Mario Tennis ou dans ce type de jeu à multi-perso que l'on commence à avoir de plus en plus, le jeu vous propose un mode histoire qui va vous permettre de découvrir le gameplay du jeu, un petit scénario avec toujours le Dr Eggman derrière, vraiment léger, des missions assez sympas, vous permet de jouer avec les personnages. Ce mode histoire a quand même le mérite d'être là, qui se présente en forme de damier sur diverses missions qu'il faudra compléter en réalisant des bonus, etc. En ayant des étoiles, donc c'est quand même assez sympa, c'est bien présenté, c'est assez fun à faire et ça vous donne un bon moyen de découvrir le jeu avant de vous lancer dans d'autres modes de jeu qui sont assez sympas. Et j'ai noté notamment, moi j'adore ce genre de choses, c'est la customisation et on peut vraiment customiser totalement les véhicules du jeu. Alors contrairement à Mario Kart qui lui propose des modèles de véhicules différents, ce Sonic All-Star propose en fait, enfin ce Sonic Team Racing propose en fait la possibilité de customiser complètement votre véhicule et de le rendre vraiment visuellement à votre goût. Donc même au niveau des couleurs mat, métalliques, un effet plastique, vous pouvez changer les bonus du véhicule, les roues, etc. Il y a vraiment énormément de choses à faire, à débloquer, ensuite à implémenter dans votre véhicule. Et ça, c'est quand même super sympa, ce qui décuple finalement la durée de vie du jeu. Et j'ai trouvé ça super, super cool. Au niveau d'un petit point négatif que je pourrais dire, c'est que les courses sont finalement, il y en a 70% sont très bien, avec des embranchements différents pour joindre l'arrivée, pour avoir des petits raccourcis, etc. Quelques-unes sont quand même assez simplistes, composées de très grandes avenues comme ça, qui fait que certaines courses sont un peu moins emballantes que d'autres. Ce qui est la force, selon moi, de Mario Kart, si on compare toujours les deux. Ça, c'est un petit point faible aussi dans le jeu. Mais voilà. Donc, si vous êtes fan de Sonic, et si vous aimez ce style de jeu, franchement, pour même pas 30€, pour moi, ça vaut largement le coup de s'y mettre et de passer des moments fun et agréables sur ce jeu. Surtout que visuellement, je ne l'ai pas dit, j'ai trouvé le jeu quand même très, très beau visuellement. C'est super beau, c'est super fluide, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a rien du tout. Les musiques, c'est vraiment que de l'univers Sonic. Vous avez les musiques standard remasterisées, c'est quand même super sympa si vous êtes fan de la licence. Vous allez reconnaître les airs, c'est quand même super cool, c'est super motivant et emballant. Non, honnêtement, j'étais vraiment agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à un jeu de cette qualité en démarrant ce Team Sonic Racing. Je me suis dit, voilà, encore un petit jeu à licence qui risque d'être un peu raté de la part de Sega. Mais en fait, pas du tout. Et je pense que ce jeu risque d'avoir une assez bonne fidélité si les joueurs se donne le truc de l'essayer en fait. Et son petit prix est vraiment bien vu parce qu'il va, je pense, dans quelques mois, se retrouver très, même dans quelques semaines, se retrouver super vite à 20 balles. Et ce qui permettra à beaucoup de joueurs de se lancer et d'y jouer. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus à ce prix-là d'attaquer le jeu. Voilà les amis, j'espère que ce test est assez complet pour vous et vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Faites chauffer les consoles. A plus.